Je crois que quelqu'un, un jour, m'a dit que ça signifiait la fin du chemin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À dire vrai, je n'en sais rien. Mais je trouve ça plutôt poétique. Surtout que c'est littéralement ça, un ultime village avant la mer. J'aimerais bien, en tout cas, que ça soit la fin de mon chemin. Pas dans le sens mort, enterrement, le sens noir et sombre du terme, bien au contraire. Disons plutôt la fin de ma quête du bonheur. Car c'est là-bas que je souhaite m'installer. Mon idéal de vie est classique, trop classique probablement. Ce que je souhaite, trouver un pied à terre, réussir à monter mon projet professionnel et m'installer près de la mer avec mari, enfants et animaux. J'avais prévenu, c'est commun. Une maison un peu à l'écart de la ville, pour être encore dans la nature, car c'est important selon moi. Et c'est ça que j'aime à Penhors et dans ses alentours de Bretagne. Bien entendu, je ne connais pas tout le département. Mon jugement n'a de valeur que pour moi et pour ce que j'ai vu. Mais que ce soit l'architecture des villes ou même des villages, tout en longueur, avec quelques maisons éparses sur des kilomètres, c'est ça ce que je souhaite sincèrement. Un endroit où l'on respire, où la nature reprend tout de même ses droits. Je suis trop habituée aux villes où la nature est là, mais enfermée, restreinte dans des parcs ou repoussée hors des limites de la zone urbaine. Non, ce que je souhaite, c'est pouvoir me fondre dans la nature, pouvoir me lever le matin et voir la mer, ou bien l'entendre en allant me coucher. Voilà qui me ferait sincèrement plaisir. Je n'ai jamais souhaité être riche. Je ne désire pas posséder des choses au-dessus de mes moyens. La renommée, être connue et reconnue, très peu pour moi. J'aspire à une vie correcte. Avoir ni trop, ni pas assez. Tout ce que je souhaite, et ce qui m'importe vraiment, c'est de trouver un endroit à moi, où je me sente bien. Et cet endroit, je l'ai trouvé. Je sais où il est. Je sais qu'il est trop tôt pour que je m'y rende actuellement de façon définitive. Mais je sais également que viendra un jour où je poserai mes valises là-bas pour ne plus en bouger. Je ne suis pas une grande voyageuse. Je ne ressens pas le besoin de parcourir de grandes distances pour me sentir bien. Un simple paysage de nature me suffit. Et là-bas, je dois dire que je suis heureuse et que j'ai tout ce qu'il me faut. Le chant des mouettes et des vagues me plaît. Les couleurs des couchers de soleil sont chaudes et réconfortantes. L'air est frais et l'on est ivre de vent et de liberté. On se sentirait pousser des ailes. Je ne suis pas née là-bas. Je n'ai pas de rattachement particulier à la Bretagne, si ce n'est un terrain de vacances familial. Mais je porte un profond attachement à cet endroit. Et je sais que là-bas, je suis chez moi. C'est pour ça que je ressens un tel besoin d'y vivre et j'espère que chacun sur Terre trouvera un endroit qui lui procurera cet effet-là. Luis Sepúlveda, dans un de ses romans, a su exprimer ce sentiment d'appartenance à une terre. Il écrivait « Nous parlâmes de nos vies. Je pouvais revenir au Chili, mais je restais en Europe. Il pouvait revenir à Buenos Aires. » Mais il restait en Patagonie. Cette conversation avec mes amis me confirma une fois de plus qu'on est de là où on se sent le mieux.